Dites-vous, ils m'ont pris pour une grosse folle. J'ai pris une tête d'oreiller, une serviette, je suis arrivée sur le toit. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire sur le toit? Je leur ai dit, mais moi je veux bronzer. Ils m'ont dit, mais tu peux pas te mettre en maillot, il y a tout le monde qui te regarde du toit. J'ai dit, bah, c'est pas grave, je reste comme ça. Mais s'il vous plaît, laissez-moi juste bronzer, il me faut de la mélanine dans mon corps. Please. Je me suis réveillée, indice UV à 9. Est-ce que je vais rater ça? Absolument pas. Mais quand je vous dis qu'ils m'ont pris pour une folle, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, mais tu vas sur le Star? J'ai dit, bah oui. Et au début, c'était en mode de, mais qu'est-ce que tu vas foutre sur le Star? J'ai dit, mais je vais bronzer. Ils me disent, mais tu peux pas les bronzer comme ça. Je leur ai dit, mais non, mais j'ai mis un short et un haut de maillot. Ils m'ont dit, non, même le haut de maillot, ça craint tout ça. Bronze tes jambes si tu veux, ton visage, mais reste habillé. Je dis, ok, bah pas de soucis, je reste habillé. Mais là, ils m'ont tous regardé en mode de, mais qu'est-ce qu'elle fout sur le toit, elle? Tu restes là? Non, non, non. C'est une vraie pas maison. Vous avez pu voir les stories à Farah. On est venu avec Panas rejoindre Radija, la maman de Farah. Et Farah au salon de beauté, ils m'ont fait mes cils, regardez comment c'est magnifique. Incroyable, là je suis descendue prendre un petit jus. Je retourne au salon et restée branchée parce que la transformation de Radija, même moi, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai fini mes cils, je la cherchais dans le salon, je ne l'ai même pas reconnue, dites-vous. C'est une dinguerie. Et Radija, je peux pas vous la montrer, hein. Mais Mashallah, elle est trop belle, vraiment magnifique. De rien. Et du coup, je vais faire un petit brushing et voilà, quoi. Peut-être après mes sourcils. En tout cas, c'était cool détente aujourd'hui. J'ai pas fait de story, mais c'est ce matin. Je vous les ai postés que maintenant. Aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui en full détente. Hein. Elle a dit quoi? Ah non, mais elle comprend pas, elle peut pas traduire. Je comprends pas tout ce qu'elle me dit, mais je pense qu'elle dit que c'est gentil. Hein? Elle a dit du bien sur moi. Sartek. Selmec. Ok. Et là, je commence à retenir. Hein. Excuse-moi ma belle, elle est où tout là? Elle est partie. Monte ton brushing, oh là là. Derrière, tourne. Tourne. J'ai pas zéro, je m'assois avant ça. Je peux m'arrêter avec ça, moi. Là, elle m'a fait un masque, on laisse 5 minutes et après on rince. Non mais c'est vraiment grave. Tu m'as demandé de refaire une photo avec un filtre. Ça c'est la génération filtre, faut arrêter les filtres. Sheba sans filtre. Bah oui. Ah ouais, full détente. Jusqu'à la fumée, elle va dans ses cheveux. Je crois, elle dort. Tu m'as dit, je suis une Algérienne. Oui, tu connais tout. Parce que j'ai failli tomber et elle m'a dit, tu m'as dit, c'est quoi? L'ail. Et je lui dis, ouais, ça, c'est l'œil des gens. Elle m'a dit, mais t'es pas française, t'es Algérienne. Je suis certaine. Moi, perso, je trouve que c'est trop bien. Là, c'est pas trop fourni et la pose, elle est incroyable. Regarde, ils ont dit quoi? On dit quoi? Abonnez. Abonnez tout là. Ils ont dit trop belle, machallah. Et tout là, t'es complètement merboula. Oui, elle est merboula. Attention, elle est sèche. Non mais je poste pas, je prends juste ma tête. C'est bon. Attends, Radija. On dit quoi, Sartek? Sartek. C'est le mec. Sartek. Ah.